Hello, 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 heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que tout le monde va bien en ces temps complètement incertains, angoissants, et je peux comprendre ça. On peut être en train de vivre nos derniers moments, qui sait? Donc, c'est vraiment le temps de profiter de tout ce que vous pouvez vraiment faire ou avez rêvé de faire dans la vie. Une chose que j'ai découverte il y a un an et demi, je vous en ai déjà parlé. Partager ma passion, c'est le yoga. Activité extraordinaire s'il en est une. Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup d'équilibre, beaucoup de force aussi, parce que je dois vous avouer que je ne fais pas un yoga méditatif. Je suis en méditation 24 heures sur 24. Je fais plutôt un yoga athlétique, assez actif. Et jamais j'aurais pensé que le yoga pouvait t'amener autant de puissance et être aussi exigeant physiquement. On s'imagine toujours le yoga comme étant l'activité d'une bande d'illuminés, d'hurluberlus, en train de vénérer le vent, l'eau, le soleil et la lune, avec des chants et toutes sortes d'autres excentricités. Mais il y a une forme de yoga très, très athlétique et active, et c'est celle-là que je pratique, et c'est extraordinaire, et je vais vous en parler un petit peu. D'ailleurs, je commence en vous disant que le yoga a probablement révolutionné le monde vestimentaire. Vous savez ce que je veux dire? Les tenues sportives ou vestimentaires du yoga sont très confortables, mais aussi très, très minces et collent à la peau. C'est comme une deuxième peau. Si tu veux te faire une idée à quel point c'est presque en fusion avec ta peau, imagine-toi dans une charcuterie. Imagine-toi dans la Mecque de la charcuterie, quelque part en Espagne ou en Italie, où tu verrais les plus beaux saucissons, les plus beaux prosciutto ou les plus beaux jambons Bayonne et toutes sortes d'autres saucisses. Toute cette viande-là est emballée dans un filaments très, 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 très minces, souvent de sources naturelles, des tripes hein, qu'on utilise de différents animaux. Mais maintenant, il y en a de la synthétique. Et quand tu les regardes, tu ne les vois pas parce qu'ils sont tellement minces qu'ils sont comme fusionnés avec le morceau de viande. Donc, quand tu arrives dans certaines parties de l'Italie, tu vois ces beaux prosciutto, c'est fascinant et c'est toujours très excitant et ça te met l'eau à la bouche. Quand tu arrives dans ta première classe de yoga, comme moi, je l'ai eu il y a un an et demi, j'avais l'impression de me retrouver dans la Mecque de la charcuterie. En voyant toutes ces belles formes de femmes, il y avait des hommes aussi, il n'y en a pas beaucoup, une chance, parce que pas trop attiré par les hommes, mais pour les femmes, vous pourrez aussi peut-être vous rincer l'œil ou pas, mais moi je peux dire une chose, j'avais l'impression d'être un enfant dans le royaume des jouets où le gros cannibale carnivore dans la Mecque de la charcuterie. Puis il y en a toutes les formes. C'est comme dans la charcuterie. Tu as des petites saucisses, des plus grosses saucisses, des formes courbées. Tu as le prosciutto, tu as la soppressata, tu en as de toutes les sortes. Et quand tu es là, et quand je suis rentré dans cette salle pour la première fois, je peux dire une chose, j'étais un peu déconcentré et je n'ai pas trop suivi ce que le prof me racontait. J'avais la tête qui tournait. Et on est assez près les uns des autres parce que c'est populaire, sur notre tapis. Et je vais te donner un conseil tout de suite si tu t'intéresses au yoga puis tu devrais t'intéresser au yoga. Quand tu vas rentrer dans la salle, la meilleure position pour t'installer pour ton heure et quart ou et demi de yoga, c'est de te mettre derrière la plus belle ou une des plus belles, où elles sont toutes belles. Et c'est la particularité de ce vêtement-là. C'est que c'est un vêtement très, très inclusif et magique qui va te rendre les femmes les plus banales ou comme les cousins français les appellent les boudins. On revient à la forme d'une sorte de charcuterie, hein. Les plus spectaculaires.
Même la femme la plus ordinaire, avec les formes les plus banales, va devenir spectaculaire. Et ça, c'est la révolution que le yoga a amenée dans le vêtement. Et d'ailleurs, ces vêtements-là, les femmes maintenant les portent plus seulement pour, par exemple, le yoga, ou on les utilise sûrement peut-être pour d'autres activités sportives comme le vélo, mais maintenant, elles se promènent comme ça, dans les centres commerciaux, dans les restaurants, au travail, on est vraiment gâtés. C'est comme si le monde était géré par deux, trois maniaques sexuelles qui sont obsédées par les femmes. Puis ça, c'est pour notre bénéfice, parce que maintenant, tu les vois partout. Moi, quand je vais au travail, j'ai des clientes qui sont vêtues de ce petit pantalon-là, puis dès qu'elles se lèvent de la banquette ou de la table pour aller soit à la porte, pour sortir ou aux toilettes, je peux te dire une chose, on est toutes comme des girouettes. C'est difficile de se concentrer. Tu as des collègues de travail aussi qui sont habillés comme ça. Donc, tu passes les 8 heures avec elles, non pas en la regardant dans les yeux, mais toujours avec la tête un peu baissée, comme une espèce de révérence. Donc, ça a été ma première, vraiment, impression, puis mon premier choc culturel. J'ai dit, ouais, je pense que ça, c'est ma place. Mais tout n'est pas, et tout ne tourne pas autour de ça, mais je peux dire une chose, je me trouve toujours la meilleure place. Puis, tu as le spectacle le plus extraordinaire devant les yeux, en plus de pratiquer un sport ou une activité, je ne sais plus si c'est un sport ou une activité, mais enfin, tellement bénéfique pour aussi le reste de ton corps et non pas seulement une des parties les plus importantes de ton anatomie. Maintenant, il y a toujours un prof qui est là pour t'enseigner naturellement pendant une heure et demie, des enchaînements, des positions. Parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Tu peux le faire de ton propre gré, de façon autonome, mais je te suggère toujours, que ce soit en ligne ou en personne, d'avoir un professeur. Naturellement, ces professeurs-là sont extraordinaires, la plupart très intéressants, mais je peux dire une chose, eux aussi, ils ont une caractéristique, ils parlent, puis ils parlent, puis ils n'arrêtent pas de parler. Puis ils répètent souvent les mêmes choses, puis ils aiment ça rentrer dans le détail. Ils ont comme le besoin, ils se sentent obligés de t'expliquer dans le moins de détails, comme pour te démontrer vraiment qu'eux sont les yogis, les experts, et que toi, tu es juste l'élève, qu'eux autres, ils connaissent la position du guerrier 2 ou du chien tête en bas ou du chaturanga ou quelque autre position que ce soit. Et ils vont rentrer dans le détail. Dans les cours de débutants, je peux comprendre que le professeur passerait plusieurs instants à t'expliquer vraiment comment mettre tes mains, ouvrir tes doigts, placer ton petit orteil et tes autres orteils et ta hanche gauche et ta hanche droite. Mais quand on est dans des cours plus avancés, il me semble qu'on pourrait sauter quelques étapes, mais eux autres ne sont pas capables. C'est plus fort qu'eux autres. Donc, ils vont se retrouver avec une classe. Par exemple, moi, je suis un petit peu plus avancé que je l'étais, donc je me trouve toujours dans des cours en ligne maintenant parce que tout est fermé, dans des cours intermédiaires, comme on pourrait les appeler, comme eux autres les appellent. Mais tu as toujours ce maudit professeur. C'est plus fort que elle. Il y en a un, je pense, un gars. Et il faut qu'il t'explique dans le détail dans quelle longitude, latitude, par rapport à l'équateur, tu vas mettre ta petite orteille. Ça me dérange un petit peu. Parce que quand tu es dans le yoga athlétique, comme je le suis, il y a des positions qui sont vraiment très exigeantes. Ça a l'air de rien, mais le guerrier 2, quand tu le fais comme il faut, hein, puis que tu t'installes, ça demande beaucoup, beaucoup de puissance dans les jambes. Que tu fasses ton chaturanga, ton guerrier 1, hein, toutes des positions que vous connaissez qui sont extraordinaires, ça demande beaucoup de concentration. Puis tu as toujours celui-là qui est en avant ou celle-là qui est en avant, qui n'arrête pas de parler. Moi, quand je fais mes mouvements comme ceux-là, qui sont très exigeants, entre autres, puis il y en a plein d'autres, j'aime ça avoir... Et en plus, ils viennent toujours semer le doute.
Toi, ça fait un an et demi que tu fais ton guerrier 2, ton guerrier 1. Puis là, tu as toujours le prof qui est à te dire, placez-vous la hanche comme ceci, le petit orteil par rapport à la longitude 54 degrés face au soleil par rapport à l'équateur. Puis là, tu es en train de faire ta chaise. Puis là, tu as le prof qui est en train de te dire, assure-toi de voir tes orteils, assure-toi de ceci. C'est parce qu'il fait un an et demi que je la fais, mais à chaque fois que je la fais, je ne sais pas si je la fais comme il faut, j'ai toujours un doute. Parce que le prof me sème le doute. C'est pas correct, ça. Même chose avec le chaturanga, même chose avec toutes les autres positions. À les écouter, on est toujours à côté de la traque. Je sais pas si c'est leur besoin de te mettre le doute dans l'esprit pour que tu sois toujours là, au studio ou en ligne. Dans l'idée que tu as besoin d'eux pour te positionner, la petite orteille. Mais c'est pas fait méchamment. J'imagine que c'est dans leur nature. Puis ils ont toutes la même caractéristique. Ça, c'est quand tu arrives au moment final. Parce que là, tu as eu le prof qui, pendant une heure et demie, n'a pas arrêté de jacasser puis de parler. Puis en plus, ils te disent surtout, oublie pas de respirer. Moi, c'est tout ce que ça me prend d'arrêter de respirer. Surtout quand je suis dans une position soit d'élongation ou de torsion. D'arrêter de respirer. Moi, je ne sais pas, y a-t-il quelqu'un qui a arrêté de respirer dans la salle? Moi, je vis dans le sous-sol chez nous en ce moment parce que c'est comme ça. Mes enfants m'ignorent, ma femme m'ignore, puis je suis bien content. Il n'y a personne qui sait que j'existe dans la maison. Les enfants, quand ils sont rendus à un certain âge, les parents n'existent plus. Donc, moi, c'est tout ce que ça me prend d'être en train de faire une classe de yoga en virtuel, puis d'oublier de respirer, puis de crever d'asphyxie dans une torsion. Donc, je pense qu'ils peuvent te le répéter 35 fois, oubliez pas de respirer. Bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas oublié de respirer depuis la première tape ses fesses qu'on a eue quand on est sorti du ventre de notre mère. Mais encore là, sûrement, il y a un but derrière ça. Je suis encore en train de le découvrir. Essayez de le découvrir. Et là, tu arrives vers ta phase finale de ton cours intensif, ou même si tu n'as pas un cours intensif, il y a toujours la même phase finale, qui est la phase d'élongation, d'étirement, et la fameuse détente finale, le Shavasana. Qui est la position du cadavre. Donc, quand tu as tout fini, tu t'allonges sur ton tapis, sur le dos, les deux pieds qui pointent vers les coins opposés, et tes deux bras par terre, et c'est là où tu vas récupérer. C'est vrai que c'est très, très bon comme position, mais les autres, ils disent que c'est essentiel. Tu ne peux pas manquer de ton Shavasana. Il faut que tu récupères, et que tu te détaches, et que tu détends. Et ça, c'est quelque chose qu'ils nous disent aussi pendant tout le cours. Va pas dans tes pensées, éloigne-toi pas, égare-toi pas avec tes pensées, reste dans le moment présent, mais tu as toujours les autres qui sont toujours en train de te parler, puis de te dire de ne pas oublier de respirer, puis de placer ta petite orteil. Et ça continue dans le Shavasana, qui te disent en plus à la fin, et c'est pas avec une mauvaise intention, que c'est la position ou le temps de ton entraînement le plus important. Tout ce que tu as fait avant, c'est ça le plus important. Donc, on pourrait passer une heure et demie à faire du Shavasana. Non. C'est vrai que c'est important de récupérer puis de te remettre en place parce que souvent, tu as travaillé fort. Puis encore là, 95% des profs qui te disent que c'est le moment le plus important où tu vas te détendre, où tu vas tout oublier puis en profiter. Puis ils disent, tout au long du cours, on s'en vient vers le Shavasana, tu vas profiter de ton Shavasana en paix. Ben devine quoi? Ils n'arrêtent pas de parler pendant le Shavasana. Ça me brise les couilles. Donc, moi, j'ai réglé le problème, je ne fais plus le Shavasana parce que je ferme le téléphone, ça ne donne rien de faire ton Shavasana avec ton prof. Ils n'arrêtent pas de s'écouter parler non plus pendant le Shavasana, puis ils viennent te dire que c'est le moment le plus important où tu dois te détendre et laisser aller tes pensées. Je ne peux pas, tu es là à me parler. Mais malgré tout, j'aime le yoga. C'est probablement la plus belle découverte que j'ai faite dans ma vie. Namasté.